Fin de saison dernière pour ramener les Léventins jusqu'en pré-playoff. Les deux équipes sont prêtes, monsieur Di Pietro aussi. Et c'est parti pour ce Genève-Ambri à la Gotmark. Bon travail défensif du Suédois. Vatanen de l'autre côté, goal! Et c'est Josh Joris qui ouvre le score. Josh Joris sur une passe magnifique de Sami Vatanen. 1-0 pour Genève. On joue la sixième minute. Et c'est intéressant de voir que la première passe, la récupération de puck devant le portier Maier est signée. Linus Omark qui décale Vatanen. Vatanen qui accélère et qui sert parfaitement Josh Joris qui avait suivi. Juvonen n'avait aucune chance sur le tir. Valtteri Filppula qui portait le C capitaine de l'équipe de Finlande lors du... Daniel Richard n'a qu'à pas réussi à sortir proprement ce puck. Et goal! Le tir de Schlappik pris du haut du cercle. Robert Maier qui laisse filer ce puck entre son bras et son poteau. Et bien ça n'a pas duré long, il a fallu 7 secondes de powerplay pour que Ambri égalise par Schlappik. On revoit ce puck passe par Virtanen et Schlappik la voit une possibilité. Est-il masqué Robert Maier? Peut-être. Toujours difficile de se mettre à la place d'un gardien. Bertagia qui a tenté quelque chose. L'entier de ces deux minutes de pénalité. Attention, Burgler. Oh, c'est le but! Burgler qui fait mine de passer au deuxième poteau et qui fusille Robert Maier dans la lucarne. Poteau rapproché. 2-1 pour Ambri. Oh, quel but de l'ancien Davosien. On joue, c'est juste avant la mi-match. 29e minute, Dario Burgler. On revoit. Il y avait la possibilité de jouer avec André Heim qui venait de le servir. Il a décidé de faire autrement. Et Robert Maier avait déjà commencé un bout de déplacement. Ça a suffi pour donner une information à Burgler. 2-1 à la 29e minute. Il y a Filppula et Noah Rod. Oh, ce but! Oh! Quand rien ne va, Tom Ernest prend les choses en main et va marquer le 2-2 absolument tout seul. Il avait déjà essayé tout à l'heure, il n'y était pas parvenu et cette fois, il est allé fêter son but en écartant les bras devant le cop tessinois. 2-2, cet homme est extraordinaire. Regardez, à peine, Juvonen n'a pas eu le temps de bouger. C'est allé trop vite. Demain. Pouliot. Est-ce que ça débloquera quelque chose côté Genève? Goal! Ouais, c'est Marco Maurer qui marque. Marco Maurer qui donne l'avantage à la 51e minute, même pas deux minutes après le but de Tom Ernest. Marco Maurer donne l'avantage à Genève. Premier but de la saison pour le défenseur genevois. On va revoir Pouliot pour Maurer. Ouais, ce tir ne laisse aucune chance à Juvonen. Qui est sorti, on tente le tout pour le tout dans les dernières secondes, mais ça ne suffira pas. Cette rondelle qui termine dans la crosse de Bourren, mais Genève s'impose à la Gotardo Arena 3-2 après avoir passé proche.